récupère Frisco Fields et j'aurai besoin d'une nouvelle voiture. Ouais, je te l'amène tout de suite. Quatre roues et un moteur. C'est pour toi. Merci. Peut-être que beaucoup d'entre vous s'attendaient à entendre des... Mais c'est avec tristesse que je vous annonce le décès de Monsieur Ball, le présentateur de ce programme. Son amie, Madame Marcano, voulait passer dire quelques mots, mais elle a un empêchement. Voici ce qu'elle m'a demandé de vous transmettre. Cher New Bordeaux, nous avons perdu un de nos meilleurs fils, un guide pour cette communauté, un animateur apprécié, et mon ami. Rémi était un homme de foi, et je suis certaine qu'il aimerait que vous le gardiez dans vos prières. Moi, je serai plus direct. Rémi a été assassiné. Certains d'entre vous ont entendu ce qui s'est passé, les enfants. Je ne veux pas rentrer dans les détails, dans la mesure où l'enquête est en cours. Mais on va trouver qui a fait ça, New Bordeaux. Et je vais vous le dire franchement, il peut déjà faire sa prière. À New Bordeaux, on se serre les coudes. Et si quelqu'un pense que le meurtre d'un citoyen blanc chrétien, un citoyen dont les origines remontent à la fondation même de cette ville, peut rester impuni, eh bien, vous n'avez aucune idée de la façon dont je contrôle cette ville. Car oui. Olivia est au country club. Montre que je te mette au parfum du plan. Écoute bien, cette Olivia Marcano, c'est une vraie salope quand elle s'y met. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi Olivia Marcano était impliquée là-dedans. D'après ce que je sais, sa fortune était deux ou trois fois supérieure à celle de Sal Marcano. L'argent n'avait aucune valeur à ses yeux. D'après ce que j'ai compris, elle avait engagé quelqu'un pour tuer Lucio. Elle voulait tout diriger elle-même. En fin de compte, je crois qu'elle prenait son pied avec ses histoires de pègre. C'est foutu, Olivia. Tu comprends ? Le comte Duval nous a pas désigné dans son testament, et c'est son putain de neveu qui va hériter de tout. As-tu pris le temps de lire attentivement le testament ? J'ai lu la partie où il est écrit que le terrain sur lequel je construis mon casino va à Stephen Desgarmo. J'ai lu cette partie. Il y a 6 mois, Rémi l'a modifié, mais il ne l'a jamais acté. Et de quoi est-ce que tu me parles ? Pour que le testament soit validé, il doit être signé. Ça je sais, nom de Dieu. Qu'est-ce que ça change pour nous ? Ça change que j'ai un motif de contestation. Rémi et moi étions associés sur plusieurs affaires. Et le terrain apparaît comme un actif auxiliaire d'une de mes sociétés. Ça va faire bander les avocats, ça. J'en serai pour combien dans l'histoire ? Je n'en ai pas la moindre idée. J'ai investi toutes mes économies dans ce putain de casino. Je peux pas financer une guerre juridique. Il faut trouver autre chose pour sortir de ce merdier. Stephen va venir en ville pour les funérailles. Je peux aller à sa rencontre et lui offrir un pourcentage des bénéfices du casino s'il nous cède le terrain. Ouais... Ouais, ça peut marcher. Une fois que c'est fait, on s'occupe de lui. Ok, fais donc ça. Mais ma patience a atteint ses limites. Tu m'as compris, Olivia. J'en ai marre de tout ce bordel. Fais-moi confiance, Sal. Et Monsieur Clay est entré dans le country club déguisé en serveur. Toutes les personnes présentes étaient soit des riches trolucus, soit des membres de Southern Union. Ça a été facile de faire entrer Lincoln. Mettez un uniforme à un noir et il devient invisible. Putain, je suis même passé par l'entrée principale et je l'ai déposé devant la porte et personne n'a prêté attention à nous. Bon, admettons. Mais son uniforme ne suffisait quand même pas à passer les gardes du corps de Madame Marcano. J'ai bricolé une fiole de LSD à action rapide. En reprenant la formule de base du projet MK Ultra et je l'ai donnée à Lincoln. Il s'est servi d'une seringue pour en verser quelques gouttes dans tous les verres qu'il servait. En quelques minutes, tous ceux qui avaient goûté cette mixture étaient complètement partis. Putain de Dieu. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai jamais su faire un nœud de cravate. T'es sûr que ça va aller ? Je vais entrer là-dedans, droguer les gardes avec ce LSD de fabrication militaire et arriver jusqu'à Olivia. Laisse pas ces fumiers t'entraîner dans n'importe quoi. Rappelle-toi, tu pourras pas emporter d'armes. Comment ça va, mon pote ? Prends à gauche dans l'allée. On y est.
T'as l'étui, la seringue est à l'intérieur. N'oublie pas, la drogue fait effet rapidement. Il lui faudra pas longtemps pour défoncer quelqu'un. Bien. Ça arriverait à rien de donner à qui que ce soit le temps de réagir. Laisse-moi te regarder. Si tu te fais buter, au moins tu seras enterré dans quelque chose de convenable. Enculé. Tu vois, tous les autres sont arrivés à l'heure. Les blancs fouillent tous les autres ? Bon, rien de nègre. C'est pour ça qu'ils sont là. Ils m'ont arrêté à l'entrée, pour me demander où j'avais eu ma bagnole, d'où je venais. T'enfiles cet uniforme ou tu sors de ma cuisine, Claudel. Suis-moi. Passe un coup de torchon sur le comptoir, c'est dégueulasse. Madame Olivia va bientôt prendre la parole. Va dire quelques mots pour ce pauvre monsieur. J'en ai ras le cul de ces nègres qui en foutent pas une bille. Y a rien de pire. Tu prends un de ces trucs-là et tu vas servir à boire aux invités. Et surtout, tu causes à personne. Est-ce que c'est compris? Si t'es même pas foutu de porter un plateau de boisson, à quoi tu peux servir? Attends un peu. On paye pas pour rester planté là, rien faire. Va servir à boire. Tu sais qu'enfoiré. Alors? Ils tiennent en suspect? Pas un seul. Le vieux Earl a prévu d'envoyer des hommes à Delray, histoire de donner un coup de pied dans la fourmilière. Je crois pas que ça soit un nègre le coupable. Ces sauvages ont pas deux sous de jugeote. Mais si on les tient pas en laisse, ils deviennent vite agressifs. D'abord, je tiens à tous vous remercier d'assister aux funérailles de notre très cher ami, Rémi Duval. Je sais que toute la violence qui a fait son nid jusqu'au sein de notre communauté aurait pu en dissuader plus d'un. Mais vous avez agi comme Rémi aurait agi. Vous avez redressé le menton, et vous n'avez pas fui. Sans exagération aucune, Rémi était un homme courageux. Mais ce n'est pas son courage qui me manquera le plus. La mort de Rémi a privé cette ville de sa voix. Elle nous a tous privés d'une voix. Celui qui a assassiné Rémi a dépouillé cette ville d'un homme qui honorait son histoire. Plus que cela, d'un homme qui valorisait notre tradition commune. Un héritage qui nous vient tout droit de l'Europe chrétienne. Rémi était un ami très cher. Le mien, mais aussi le vôtre. Dans les jours et les semaines à venir, honorons sa mémoire en reprenant cette ville. En préservant le mode de vie qui est le nôtre. À Rémi. Allez. Ouais, c'est ma femme, quoi. Je devrais pas avoir à réclamer. T'as permis de me parler, négro. Elle dit que je communique pas assez. Comme si je pouvais en placer une. Si tu le dis. Si on met la main sur l'assassin de Rémi, il va regretter d'être né. Tu veux bien, mais c'est... Hein? Tu veux passer à la maison regarder le match samedi? C'est sûr, mon ami. Mmh. Ouais. Je vais être très clair. Il y a les gens bien, les gens pas bien, et les tarés. On va? Et puis, non, il y a ceux qui affirment à bout. En même temps, c'est un bord de noir se foutre sur la gueule. Qui est allé du côté de Delray? Je suppose. Hé, hey, apporte-moi cette bouteille. Je n'ai jamais vu le neveu non plus. Il paraît qu'il y a du fric. Peut-être. Crachez le morceau. Vous savez quoi? Bien, disons que la fortune de Duval était bien. On va la gagner, sûr et certain. Ces foutus Ruskov n'ont pas l'ombre d'une chance. Quand on a raison, on a raison. Fait.
m'aurais pas servi dès que je rentre du travail. C'est vraiment trop demandé. Hey, ramène-toi avec cette bouteille, mec. Tout va bien. Il est avec Jésus maintenant. Ils les brûlent, leur soutien-gorge. Ça sera plus facile pour se rincer l'œil. Ça, c'est vrai, putain. Reste plus le moindre dollar. Ouais, toi, putain, avec la bouteille. Qu'est-ce que je vais dire aux autres ? Merci. On leur rappellera que ce qui compte, c'est la cause blanche. Aujourd'hui, c'est tout ce qui reste à se servir. Le problème de ces gens, c'est qu'ils sont persuadés que leur richesse leur donne une valeur intrinsèque. Ouais, regarde-moi, je suis riche comme Crésus, et pourtant, je suis sans doute la personne la moins importante du quartier. La clé de mon bonheur, c'est de le savoir. Ça me dépasse. Merci pour votre présence. Un grand, un nègre non dingue, grand et vieux. De nouveau, tu peux fumer par ici. Tu vois le comportement de Clarence ? On dirait qu'il est au courant de ce qui se passe. D'après moi, ça pourrait pas arriver à quelqu'un de plus gentil. Ça lui va bien. Les nègres ci, les nègres là, c'est tout ce qui sort de sa bouche. Ça fait déjà chier de l'entendre de la bouche des Blancs. Alors de l'un des nôtres, c'est pire. Peut-être qu'après ça, il va revoir sa façon de gérer les choses. Ça va être une journée de dingue. Des hommes sur la Lune. Rien que des Blancs, je parie. Qu'ils aillent tous se faire foutre. Clairement, sûr. Ils sont connes, mec. J'y réfléchirai à deux fois avant de sortir. Il se passe un truc et ça sent pas bon. Je m'en tape de ce que dit Clarence. Je reste ici. Ils sont tous devenus tarés. Fais la voir, ce connard. Qu'est-ce que je disais déjà ? Si seulement. Si seulement je pouvais vous montrer. On est tous reliés les uns aux autres. Vous, moi, lui, tous. C'est curieux. Ils viennent nous chercher. Ils viennent te chercher, Barbara. Oh, tant mieux. On se voit dimanche à la messe. Putain, Donovan. Ils sont à côté de leur bande. Je le vois. Je vois Rémi. Il y a un truc qui cloche. Sors-moi de là, vite. Oui, madame. Je veux plus d'hommes à la porte principale et à l'arrière. Personne n'entre ni ne sort sans mon accord. Je dois dire un mot aux invités. Comme ? Vous les avez vus ? Ils se sont tous écroulés comme si... ils étaient tous malades. Quoi ? Oh, pardon, regrette. C'est pour Madame Margano ? Ouais, je veux dire, oui, monsieur. Tu peux passer. Posez ça sur le bar. Alors ? Rien ? Non, dame. Ils y sont pas allés de main morte avec lui. Coupe-lui une main. On verra s'il change d'avis. Il faut se tirer d'ici avant que ce qui se passe en bas dégénère. Je crois que notre ami nègre ici présent est un peu patraque. Quelqu'un peut le sortir d'ici ? Ok, mon pote. C'est l'heure d'un... Pas de problème. Éclatez cette enflure ! Quelqu'un protège Madame Marcano ! Tuez-le ! Il faut que je recharge. Mais ça va. Putain, cet enculé !
Posez ça sur le bar. Alors, rien? Non, madame. Les y sont pas allés de main morte avec lui. Coupe-lui une main. On verra s'il change d'avis. Il faut se tirer d'ici avant que ce qui se passe en bas dégénère. Éclatez cette enflure! Rien faire! Je peux pas bouger! Quelqu'un protège votre... Je vais te buter de mes propres mains! Enfoiré, t'as tout foutu en l'air! Tu vas le payer, petit! J'ai vu Lucio. Il était si beau. Il était si classe aussi. Il portait les plus beaux costumes. Conduisait les plus belles voitures. Il y avait quelque chose de terriblement romantique dans tout ça. Ça n'a rien de romantique. De braquer et de tuer des gens. Peut-être pas. Mais c'était tellement excitant. Où est Degarmo? Degarmo? Il le garde dans un bâtiment. Au bord de l'eau. Je croyais que vous étiez venu me tuer. Non, t'en vaut pas la peine. Madame Marcano, on a entendu des coups de feu. Madame Olivia, vous êtes là? Olivia, soyez prêts pour les emmerdes. Restez là et empêchez-le de passer. Demander encore une fois. Tu nous cèdes ce foutu terrain. Ou je jure devant Dieu de te broyer tous les os de ton putain de corps. Tu m'entends? Non. Je vous céderai rien du tout.
Retourne-le. Qui tu crois que tu es? Je suis pas un mec. Je vais aller voir là. Faites votre boulot et trouvez-le. Je te trouverai, gamin. Tiens, par ici. Bouge ton cul de l'autre côté. Je vais vous faire sortir d'ici, mais il faut qu'on se bagne. Marcano a sûrement déjà envoyé notre équipe. Oui. Ok. Ils m'ont amené ici dans ma propre bagnole. Elle doit être encore dans le coin. Oh! Oh mon Dieu! Il est mort! C'est à peine si je connaissais Rémi. À toutes les unités disponibles, individu suspect dans un véhicule. Il est en enquête. Laissez-moi sortir. Je suis sûr que les flics pourraient nous aider. Je sais. Écoutez, je connais quelqu'un.
Il va garder un œil sur vous le temps que les choses se passent. Ok, merci. Vous m'avez sauvé la vie. Pas quoi? Vous savez ce qu'est devenu Desgarmo ? Comptez pas sur moi pour vous le dire, bande de cons. Bonjour, Madame Marcano. Votre petit déjeuner. Ouh, on va aérer cette pièce et faire entrer le soleil. Mieux comme ça. Vous êtes en train de me dire que Lincoln Clay n'a pas tué Olivier Marcano? Il tuait pas les femmes, à moins de pas avoir le choix. J'ai beaucoup de mal à vous croire. En 1967, on était dans un bar de Saigon, quand une pute bridée est arrivée. Avec une jupe ras du cul. Elle a proposé de faire une tournée de pipe générale. Moi, sucette, sucette. Moi, mets-toi très beaucoup. Puis elle a sorti une grenade. Et elle a tué trois types. Des Marines voulaient arracher la tête de cette sale pute. Mais Lincoln les en a empêchés. Et les a retenus jusqu'à l'arrivée de la police militaire. Si à cette époque, il a pas tué cette sale pouffe, il allait sûrement pas tuer Olivier Marcano. T'as envoyé qui? Oh, je m'en suis occupé en personne. Je lui ai dessiné un beau sourire. Aucun signe de dégarement? Disparu. J'ai cherché partout. On dirait qu'il a jamais existé. Bordel de merde. J'ai jamais vu un foutoir pareil. Entre le testament de Duval et ce putain de Lincoln Clay, j'ai l'impression que je vais jamais en voir la fin. Eh ben, au moins, on n'a plus besoin de partager avec Duval, maintenant. Essayer de faire de l'humour. Ouais. Les avocats de Desgarmo vont faire traîner l'affaire des années. J'ai pas de temps à perdre, tu comprends? Encore moins de l'argent. Il doit bien y avoir quelqu'un qu'on peut atteindre pour le forcer à tout arranger. La condition d'avoir des moyens. Des moyens qu'on n'a pas. On peut toujours appeler Léo Galante, lui. Il a se faire foutre. Je me fais chier à construire ce putain de casino justement pour plus avoir affaire à ces enfoirés. Si je déballe tout à la commission, ils vont vouloir leur part. Bordel de merde. Allez, fous-moi le camp. Je vais passer un coup de fil.
fait chier. Léo ? C'est sale, comment ça va, mon vieux ? Écoute, il faut que je te parle d'un truc. J'ai tenté de réconcilier la partie de moi qui a aidé Lincoln et la partie qui a juré de suivre l'enseignement du Christ. Mais j'y arrive pas. Vous savez de quoi je me souviens ? Je me souviens d'avoir regardé le journal qui annonçait l'assassinat de Martin Luther King. Je me souviens de tous ces gens qui laissaient libre cours à leur colère. Parce que c'est tout ce qu'il leur restait. Et pendant ce temps, Lincoln était à côté. Entre la vie et la mort. C'est peut-être pour ça que j'ai agi ainsi. Allez, on y va. J'ai pas toute la journée. J'ai envoyé Olivia Marcano à l'hôpital, mais je serais surpris qu'elle passe la nuit. Quand Marcano s'apercevra qu'il a perdu Frisco Fields, qu'on a repris son trafic de cam dans le coin et qu'on a fait fermer sa petite épicerie à la con, il restera pas sans réagir. La dernière fois, je pense pas que t'aies regretté de m'avoir fait confiance pour gérer nos petites affaires. Alors autant continuer sur notre lancée. Changer rien que pour changer, ça fait tout compliqué. C'est au Vietnam qu'on t'a appris ça ? À dresser les uns contre les autres les gens qui te sont fidèles ? À leur dire qu'ils peuvent crever à n'importe quel moment ? Rappelle-toi, t'es plus au Vietnam, là. Tu viens ici nous parler de patience et de compromis. Mais une fois reparti, tu te fous de notre gueule. La dernière fois que tu m'as demandé de mettre la main sur un trafic, je n'ai pas vu la couleur d'un seul billet. Et là, tu me mets carrément sur la touche. Au moins, je t'aurais prévenu. Là, je suis franchement à cran. Je te conseille d'y réfléchir à deux fois. On parle de se faire du fric. J'en ai franchement marre que tu m'ignores. À ton avis, Marcano est en train de faire quoi pendant qu'on est là à se tourner les pouces ? A nation once again, a nation once again, and I... Il y a jamais eu... En fait, je commence à croire que tu vaux pas mieux que Sammy ou que Marcano. Sur ce coup-là, c'est Cassandra la mieux placée. Quand on est dans le feu de l'action, tu fais comme si tout le sang qu'on versait voulait dire quelque chose pour toi. Mais dès qu'on est là, on a l'impression que tu n'en as plus rien à foutre. On n'est pas une petite armée privée à ta disposition quand ça part en couille. On a des exigences. Des exigences que t'as sérieusement du mal à combler. C'est déjà mieux. Mais il va m'en falloir plus, tu sais. Allez, on s'y remet. À plus tard.